Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vais faire un tirage pour ce qui se passe en fait à Shanghai. Selon les vidéos qu'on peut voir, la situation semble bloquée concernant eh bien, tout le protocole de ces pic-pic, etc. Voilà, les personnes apparemment sont vraiment dans une détresse telle qu'elles nous parlent de que normalement elles ont droit à des colis par exemple. Et j'ai vu, alors la dernière vidéo que j'ai vu un Français qui disait que en une semaine ils avaient eu que trois colis, je crois, alimentaires, donc ce qui fait très peu. Peut-être pour une famille avec des enfants, par exemple. Enfin bon, c'est bon, on va voir. On va voir réellement ce qui. Est-ce que c'est vrai tout ça? Hein, déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment réel? Parce que c'est vrai qu'il faut faire quand même le tri entre ce qui est vrai ou faux. Et puis, comment va évoluer cette situation? Alors, pour ça, j'ai pris le tarot mythique. Et le tarot bleu, l'oracle bleu. Alors, on va regarder, est-ce pour voir si on nous dit si c'est réel ou pas. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle de la triade qui lui tranche assez bien pour une question. Alors, une question précise, on va voir. Ah, j'ai deux cartes. Alors, voilà, donc la synthèse ici. On nous dit ici que ça vient de quelque chose. C'est comme s'il y avait une volonté de défaire les familles, défaire les liens. Ici, avec la carte racine ici. Face à une nécessité de mettre de l'ordre. Ici, effectivement, apparemment, avec toutes ces cartes, c'est réel. Hein. C'est quelque chose qui a été préparé et en train de. C'est un plan qui est en train de se dérouler. Donc, vous voyez, donc ici, nécessité, ordre, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin de mettre de l'ordre pour pas que les gens, en fait, se concertent, se lient entre eux, enfin voilà. C'est fou, hein? Mais c'est ce que j'ai là au niveau des cartes. Ouais. Ils vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir avec la carte de la réussite qui est retournée. Pour moi, ici, ils vont avoir beaucoup de mal. Il y a quand même, la synthèse, c'est qu'il y a une porte de sortie, mais elle n'est pas encore là, hein. La situation est très critique ici, selon l'oracle de la triade. Il y aura une porte qui sera liée, en fait. La porte, en fait, c'est la sortie, c'est trouver la solution pour sortir de cela. Ici, ça sera grâce aux écrits, au changement, en fait, hein, par rapport à cela. Au changement, peut-être, d'une loi ou d'une réglementation. La réglementation, tiens, ben, c'est marrant parce qu'on voit, il y a des signes chinois ici. Grâce peut-être à des personnes, des avocats ou des gens qui savent en fait, qui connaissent le droit en Chine ou même tout simplement le droit au niveau mondial hein, sur en fait les problèmes de pandémie, etc. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une dérive là? Et je pense que c'est ça qui va faire que ils vont se sortir de tout ça. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Donc, comme nous donne la mort, là, il faudra un changement vraiment brutal ici. Hein. Voire de gouvernement, on me dit. Voilà. Et il va falloir se battre. Hein. C'est sûr qu'il va falloir se battre pour une évolution positive de la situation.
C'est sûr que là, pour l'oracle de la triade, c'est franchement bien établi tout ça. C'est pas du fake. Voilà. Alors, on va voir maintenant, justement, est-ce que comment va véritablement évoluer la situation? Est-ce qu'il y en a pour longtemps ou pas? Est-ce que ça va basculer? Parce que ça ne peut pas rester comme ça à vita aeternam, hein. Là là, il va falloir passer par une période assez stérile. On me dit ici que la situation n'est pas du tout terminée. Hein, il y a une évolution, mais ça va traîner des pieds là. Hein, ça continue. Alors, qu'est-ce qui va faire que les choses vont basculer? En fait, ici, ça tourne à la haine. Hein, ça tourne à la haine. On me dit que ici. Il y a une ambiance vraiment très très négative et je sens moi quasiment de la violence et surtout de la haine. Une haine, je ne sais pas d'où vient cette haine, mais alors elle est là. Hein. On me dit à l'automne qu'il y aura du changement, à l'automne ça risque de changer. Oui, la montagne, la transformation. Voilà, donc les choses vont se transformer peu à peu. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une évolution qui va se faire, mais ça est très long, hein, puisqu'on nous dit ici qu'il y aura peut-être, enfin moi je dis peut-être parce que après l'automne, c'est pas demain, mais à l'automne, on risque d'avoir une nouvelle situation différente. Ouais, les autres. Et donc là, avec cette carte, les autres. C'est une nouvelle situation parce que peut-être qu'il y a des groupes de personnes qui vont se former, bien que ça nous paraît difficile, mais il y a des gens de extérieur, parce que bon, je parle de Shanghai, extérieur, qui vont essayer de faire quelque chose à l'automne. Voilà, vers une élévation, mais ce n'est pas ça encore, hein. Il y aura une tentative, il y aura une tentative, mais ce n'est pas ça, hein. Alors, je vais demander. Est-ce que des pays extérieurs vont faire quelque chose? La bienveillante. La bienveillante. Alors. Alors, il y a des alliances qui vont se faire. Ou est-ce que c'est l'alliance ou des alliances? J'ai eu la carte alliance qui est tombée là. Je ne vais pas la prendre là parce que je vais essayer de rebattre mes cartes. Mais apparemment, ce serait une alliance qui renforcerait, qui serait bonne pour faire cette transformation et amener la population à être plus libre. Hein, parce que là, c'est un peu comme, c'est comme si elle était en prison. Hein. Encore une carte qui est tombée. Voilà. On parle de fidélité ici. Peut-être un pays. Proche de la Chine, qui a des atomes crochus, qui peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que moi je sens que la situation est très 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 dure là. Ouais. Ça va patauger, hein, parce que avec la carte l'inspiration qui est retournée ici, ça patauge un peu dans les idées, hein, parce que la situation est tellement glauque et brutale que le temps de réagir et de s'organiser, c'est pas évident. Je pense à un autre pays peut-être qui va faire une démarche, qui va faire quelque chose, mais voilà, elle va le faire le plus discrètement possible, hein, parce que c'est très, très brûlant la situation là. Alors, l'abondance, voilà, pour aller vers l'abondance. Donc, un pays fidèle, où il n'y a pas ce problème de protocole au niveau pandémique, qui va essayer d'apporter quelque chose. Voilà. Et je pense à un pays proche de la culture chinoise. Voilà, on pense aussi aux villes, hein, parce que c'est dans les villes que ça se passe, hein. La situation est très très dure dans les villes. Ouais, voyez le voyage ici, donc quelqu'un qui vient de loin.
l'arbre de vie qui va amener quelque chose de positif. Alors, ça sera après, enfin, à partir de l'automne, hein, quelque chose de positif, hein, qui va planter une graine. Et il y aura un lien avec peut-être quelque chose qui sont les études au niveau scientifique, quelque chose comme ça. Peut-être des scientifiques qui vont venir apporter un courant nouveau pour essayer de faire basculer, voilà, parce que là, il y a un désordre au niveau de l'humanité. Hein, et ça peut être dangereux parce que ça pourrait se propager dans le monde entier. Alors je dis bien attention, je dis ça pourrait. C'est pour ça qu'il y a ce pays ami qui va faire quelque chose. Voilà au niveau de l'évolution ce qu'on peut dire, mais c'est gravissime. Je sens que vraiment c'est quelque chose. Il va falloir être très très patient pour les personnes qui vivent là-bas, hein, qui sont dans cette situation assez dure. Alors, on va regarder et je vais voir dans le monde, est-ce que cette situation très, très dure, hein, que vivent les gens là-bas, est-ce que dans le monde ou même en France, est-ce que ça va se... est-ce qu'on va imposer le crédit... Voilà, bon, on va le dire, hein, est-ce qu'on va vouloir imposer le crédit social? Eh bien, en Europe ou en France, on va dire, allez, on va dire en France, déjà dans un premier temps, est-ce que le crédit social va être mis en place en France et est-ce que les gens vont obéir? Parce que avec la manipulation, on peut tout, hein. Est-ce que le crédit social va être amené en France? Alors, ici, il y a de trop de gens, me dit, il y a trop de personnes qui ne sont pas d'accord au niveau courant politique et autres dans la société. Ouais, c'est une effectivement, c'est une démarche qui va se faire assez brutalement. Ouais, mais vous voyez l'empereur qui est retourné ici. Le résultat, c'est qu'on va pas, on va pas suivre cette personne-là. On va pas le suivre. Hein. Il est retourné, donc il n'aura pas assez de poids. Et on a en synthèse le 4 de coupe. Hein, on voit ces trois femmes, voyez, qui sont ensemble et qui disent, on va pas briser nos fondations. Ici, c'est histoire de d'être bien dans l'assise, dans notre culture. Bien ancré et il n'est pas question de bouger quoi que ce soit. Ça, je le sens très très fort. Ouais. Donc en fait ici, cette personne qui va vouloir faire cela, eh bien, vous voyez, elle va se mettre toute seule dans une situation pathétique et brûlante, mais dans le mauvais sens pour elle. Hein. Donc moi, je pense que oui, évidemment, hein, c'est prévu, etc. Mais il va être celui qui va amener cela, parce que ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais bon, les autres se suivent, bien sûr. C'est pas possible, ça ne va pas aller bien loin. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose ancré et très fort en France qui fait que ça ne pourra pas aller jusque-là. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, hein, vous savez, comme dit le dicton. Voilà, et en finale, j'ai l'étoile. Donc, vous voyez, il y a encore la carte en synthèse qui me dit que, voilà, il y a l'étoile, et que même l'étoile, elle est tellement belle, cette carte-là, elle nous montre une femme qui ouvre un coffre, et vous avez toutes ces libellules. Il y a une libération ici, vous voyez. Donc, je dirais que non, que en France, en tout cas... ça ne va pas s'appliquer comme en Chine. Voilà ce que me disent les cartes en tout cas. Voilà, maintenant on va voir dans le monde. Est-ce que dans le monde, il va y avoir ici et là des poches de régimes durs
un peu autoritaire comme en Chine, hein, où on exige des gens de se picouser et tester et autre chose, en les gardant chez eux. Alors pour ça, je vais prendre le tarot du soleil, l'oracle du soleil, je sais plus, le tarot du soleil. Non, c'est l'oracle du soleil, pardon. Voilà. Alors, on va regarder dans le monde. Est-ce que dans le monde, par rapport à ce crédit social, est-ce qu'on va aller vers quelque chose de meilleur, on va s'en éloigner, ou alors au contraire, il y a des pays qui vont être assez atteints par ce phénomène et peut-être que il y aura des pays plus autoritaires encore. Alors, on va voir. Dans le monde. Dans le monde. Ici, on nous parle de pouvoir. C'est toute une question de domination et de pouvoir ici. Au départ, ce que l'on nous dit. Il y aura beaucoup de pays qui seront indécis, un peu comme en France. Hein, on va vraiment évaluer le bien, le mal, ce qui est, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, les défauts, les avantages et les inconvénients d'une telle situation. Face à, aussi à une manipulation, toujours. Hein. Alors, l'optimisme. Et là, donc en synthèse, dans le monde, on nous parle des secrets de la fuite. Donc ici, en fait, on nous dit non, en fait, on va plutôt vers un positif, puisque ici, en synthèse, on a les secrets et la fuite. Hein. Donc ici, c'est comme si il y avait vraiment des secrets qui vont fuiter, c'est-à-dire qui vont être révélés par rapport à ce crédit social, par rapport à cette organisation, hein, pour faire des gens esclaves, en fait. Au bout du compte, c'est ça. Hein. Donc on voit bien ici avec la synthèse, on nous le dit que de toute manière, ce qui ressort par rapport à la question que je viens de poser, c'est des secrets qui vont fuiter. Hein. Des choses secrètes, je ne vais pas dire le mot encore parce que pour être gentil et pour pas avoir de censure. Donc voilà, là on comprend bien des secrets qui vont fuiter. Donc c'est pour ça que c'est plutôt positif dans le monde, hein, d'accord? Ici, les gens quand même, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé leur discernement. Ils ont trouvé leur repère, hein, face à la manipulation qui est par le pouvoir, hein, le dominant. Et ici, on a une très belle carte, hein, vous voyez, donc en résultant, vous avez l'optimisme. Donc les personnes, en ayant retrouvé leur cerveau, entre guillemets, hein, leur discernement, eh bien ici, il va y avoir un regain d'optimisme. Donc c'est plutôt très très positif. Ici, il y a aussi une histoire de se défendre, hein. Peut-être mettre de l'ordre. Un optimisme à mettre de l'ordre pour sa défense personnelle. C'est-à-dire que on va se préparer avant qu'on y voit arriver. En fait, les gens vont faire, comment dire, ils vont s'organiser pour une défense par rapport à cela, si ça venait dans le pays, dans les pays du monde. Donc là, on va anticiper le problème. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai terminé avec ce tirage. Donc, c'était dans le monde. Hein, et j'ai envie de dire ici, c'est aussi une histoire d'alliance hein, au niveau du sommet, des sommets, au niveau des États. Je pense que c'est grâce à certaines alliances que la situation va s'améliorer, va aller de mieux en mieux. Mais bon, ça va se faire les mois qui vont suivre. Hein, voilà. Donc là, c'est global, hein, c'est général au niveau du monde.
Eh bien voilà, ma petite vidéo sur Shanghai, le crédit social et l'évolution qu'il peut y avoir en France et dans le monde est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.